On est à plus de 70-75 000 personnes vaccinées ici. On attend avec impatience la 100 000e vaccination. On est passé à 2 000 vaccins par jour. Ça nous fait 14 000 par semaine puisqu'on est ouvert tout le temps, les jours fériés, le dimanche. C'est un flux qui correspond à peu près 35 personnes toutes les 10 minutes. La vaccination se déroule en 5 étapes. La première, c'est l'enregistrement. La deuxième, c'est le remplissage du questionnaire de santé. La troisième, si besoin, le passage par la consultation pré-vaccinale du médecin. Ensuite, dans tous les cas, la vaccination. Et au final, la surveillance et la traçabilité. La mise en place de centres de grande ampleur est importante pour répondre à l'accélération de la campagne de vaccination en France, pour limiter les contaminations. À la fin du parcours vaccinal, les personnes sont satisfaites. J'habite Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. Le parcours du centre de vaccination de Lyon-Gerland est très très bien. J'ai rien eu du tout, pas mal du tout. Si j'ai un message aujourd'hui à faire passer, c'est de bien sensibiliser les personnes cibles à venir se faire vacciner. On arrivera plus rapidement à répondre à l'objectif national de vaccination et à sortir tous de cette crise sanitaire. Allez vous faire vacciner dès que vous êtes éligible, dès que vous pouvez avoir un rendez-vous, allez-y. C'est comme ça qu'on protégera l'ensemble de la population. Une fois que vous êtes fait vacciner, il faut vraiment continuer à respecter les gestes barrières.